piscine à cascade. Mais c'est plus une maison, c'est un hôtel de luxe. Mais non, je le veux. Je veux que tu sois mon portugais. Fais-moi ma maison. Et salut à toutes les truites et truitesses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale avec un funny moment très très spécial de FFM. Je rappelle sa chaîne comme d'habitude en description. Les pouces bleus comme d'habitude, je compte sur vous. Bombardez-moi cette barre de pouces bleus à 7000 pouces bleus. On se refait un funny moment spécial sur le mode créatif. Vous allez avoir 3 joueurs qui vont s'affronter, un Bambi, un pro et enfin pour terminer un hacker sur le mode créatif avec des constructions assez spéciales. Je vais pas vous en dire plus et je vais vous laisser découvrir ça tranquillement en regardant cette petite vidéo. Mais avant de l'attaquer, j'ai une petite question pour vous. Vous savez, la saison 9 arrive à grand pas et je voulais savoir, est-ce que vous allez acheter le nouveau pass de combat? Faites-moi péter cet espace commentaire et bien évidemment, n'oubliez pas le petit code créateur à Senor9. Merci à toutes les truites qui l'utilisent. Nous, ce qu'on va faire, c'est attaquer tout de suite ce funny moment. Let's go. Et c'est parti pour ce funny moment de FFM. Je pense que ça va être épique. Je compte sur vous en tout cas pour faire péter cette barre de pouces bleus. La saison 9 qui arrive incessamment sous peu, 7 jours même au moment où sort cette vidéo. Est-ce que vous allez acheter le nouveau pass de combat de la saison 9? Faites-moi péter cet espace commentaire. Et n'oubliez pas, code créateur, c'est Senor9. Merci à toutes les truites qui me soutiennent. Qu'est-ce qui se passe avec le bambino? Ok. Il cherche un trésor en mode random. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est le genre de joueur qu'on aimerait croiser plus souvent dans des parties de Fortnite Battle Royale. Il a l'air totalement égaré, mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, il est en train de... Mais attends, il se croit sur Minecraft ou c'est comment là? Qu'est-ce que tu fais? J'ai hâte de voir le résultat final, je pense que ça va être complètement nimp. A votre avis, tu fais quoi? J'ai l'impression qu'il fait une maison. Un immeuble? T'es tellement nul, mec. J'aurais eu le temps de faire le World Trade Center, là, le temps que toi, t'as fait un étage. Ça, c'est le joueur de Fortnite qui a pas compris, je crois, le but du jeu. Ah ouais, t'es fier de ta maison, là? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là, mais t'es sérieux. Quoi? Il fait un toit? Attends, parce que là, peut-être qu'il va m'apprendre un truc de ouf. Faire un toit? Ah bah ouais! Ah ouais, c'est pas... Ah, c'est pas mal. Hey, Bambino, tu me surprends là. Toi, t'es pas architecte par hasard? T'as pas fait des études, un truc? Dis-nous, Germain. Peut-être qu'il est tout simplement portugais, hein. Wow, elle est jolie quand même, la maison. GG, non, GG pour un Bambi, c'est pas mal. Je suis pas sûr. Je pense que j'aurais fait mieux. Voilà, ouais, c'est mieux comme ça. Ok, nice, ouais, c'est bon, mec. C'est bon, on a compris ta maison. Elle est nulle. On a compris, c'est quoi ce funny moment? On va avoir un gars qui fait une maison pendant une demi-heure ou quoi? Voilà le petit Bambi et sa petite maison. Ok, on a eu sa petite construction qui est pas non plus folle. Mais non, je pense que j'aurais fait mieux. Pro. Oh, what? Mais c'est quoi ce funny moment? Non! Quel enfoiré. Je crois qu'on a un duel de construction, les gars. Je crois qu'on a affaire à un duel de construction pour ce funny moment avec un constructeur bambino, un constructeur pro et enfin, bah, le dernier, je sais pas trop. On va voir. Ok, ah ouais. D'accord, ok, je comprends mieux maintenant le funny moment. Je suis en mode, mais attends, on va voir un gars qui construit une maison pendant tout le funny moment. En fait, non, on va pas avoir un gars qui construit une maison. On va avoir 3 gars qui construisent une maison. Le dernier, vous pensez que ça a été un cœur? Je sais pas, faites-moi péter cet espace commentaire. Mais comment tu peux hacker en build? Oh, par contre, il a l'air bon builder, hein. Regardez-moi ça. Ok, il met les petits buissons. C'est pas mal. Dites-moi, tiens, en construction, vous êtes fort ou pas sur Fortnite? Est-ce que vous faites des petites constructions comme ça, un petit peu créatif, RP ou pas du tout? D'ailleurs, ce serait énorme, un petit mode RP sur Fortnite. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Faites-moi péter cet espace commentaire. Ce serait ouf de créer une map spéciale RP avec plein de joueurs, plein de fonctionnalités. Mais ouais, non, c'est peut-être un peu compliqué. Mais peut-être qu'un jour, on aura du RP. Croise les doigts, les gars. Sur Fortnite, ça pourrait être assez épique si c'est bien réalisé. Ah ouais, là, c'est plus une maisonnette, une petite cabane de montagne, de survie à la Koh-Lanta. Là, on est sur une ville, là. On est sur une fucking ville là. Alors il est en train de faire les sols. Déjà ce qu'on voit, il est super rapide. Regardez le délire. Il va tellement vite le petit Germain. Ok, il replace des buissons, il ajuste. Ah, le placement des buissons pris pour l'instant, ça fait un peu tristoun. Ah, il est en train de faire des ajustements comme on le voit. Il est en train de réfléchir en direct.
c'était pas genre déjà sur un plan prévu. Moi j'ai tendance, je me rappelle quand je faisais mes petites maisons sur Minecraft, parce que je faisais des petites maisons. Ma maison elle envoyait du lourd, c'était une maison un petit peu architecte. Je faisais le plan à l'avance, je faisais le plan et ensuite j'allais poser les cubes. Vous êtes plutôt comment? Vous construisez et ensuite vous voyez, ou vous faites le plan et ensuite vous construisez? Moi je suis un architecte les gars. Alors là, il nous fait l'intérieur de la déco. Alors le problème du Fortnite créatif, c'est la décoration. On est très très limité au niveau de la déco. J'espère que c'est quelque chose qui va être amené à évoluer. Putain, mais c'est énorme. On pourrait trop faire du RP sur Fortnite. On peut faire des choses de ouf au niveau de l'edit, les amis. C'est terrifiant. Sympa les petites barrières comme ça pour l'escalier. Je valide pour le coup. C'est pas mal pensé. Ah ouais, le petit tableau de dessinateur, d'architecte pour le coup. Il a mis un bureau là. Oh, il revient avec une petite cuisine. Salut les gars, c'est la cuisine. Donc lui, il a dû poser un petit peu tous les éléments, les bâtiments un petit peu à l'extérieur. Et il fait du copier-coller, il les ramène, il peut les agrandir, les rapetissir. Petit bureau, putain, j'ai hâte de voir un petit peu comment il va travailler les décos. Parce que comme je vous disais, voilà, éléments de déco, on en a pas des masses. Et du coup, voilà, on se retrouve avec deux bureaux dans une pièce. C'est pas très RP ça. C'est pas mal. Par contre, tes meubles, ils sont là, c'est à la va-vite. Ah ok, il va l'ajuster. Alors pour l'instant, ah ok, j'ai compris. En fait, là, ce qu'il fait, il place un petit peu. Il jette un petit peu tous les objets comme un déménagement où tu ramènes les cartons et ensuite il déballe et il ajuste ça. Ok, intéressant, j'aime bien l'idée. Et ça a un petit peu de gueule quand même. Mais attends, j'ai hâte de voir le dernier, ce qu'il va nous proposer. Parce qu'en général, vous connaissez les funny moments, on a toujours le hacker à la fin. Qu'est-ce que ça va être là? Je pense que ça va être n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, je crois pas qu'il... Ah, il a mis les... Oh, ah ouais! Ça y est, c'est fini? C'est ça le pro? Ah, t'es un peu un Bambi, vous le notez combien sur 10 sa construction? C'est un peu vide à l'intérieur. Voilà, c'est les aimants de déco, ce que je vous disais, c'est ce qui manque. Dommage, putain, le prochain ça va être quoi? Le prochain ça va être quoi? J'ai hâte. Sympa. Pour le coup, je valide. Il va en avoir un prochain, je pense. On a encore de la durée. Non! Hacker! Hacker en but! Oh, le skin! En mode lapin, trop stylé! Trop stylé! Oh là, ce skin il est horrible. Je l'ai d'ailleurs. Il est horrible. Je trouve qu'il fait trop peur. Quoi, non? Ah non, il valide pas la construction? Avec la petite danse, non mais c'est énorme. Comment il va nous détruire ça, là pour le coup? Ah, oh, c'est trop sympa la petite mise en scène qu'ils font. Mais est-ce qu'il y a des glitches dans le mode créatif de Fortnite? Wow! C'est l'épée. D'accord. Il a tout rasé à la petite épée. C'était un peu plus pratique le bazooka, non? Ah, il va au gun là, il en a marre de l'épée. Ah, l'arc! Je croyais que c'était un gun. Il ramasse l'épée. C'est pas un hacker là, c'est un Bambi les gars, Bambino. Y'a pas de build? Je pensais qu'il allait build un truc. Mais non, y'a une piscine à... Trois piscines à cascade! Mais c'est plus une maison, c'est un hôtel de luxe! Mais non! Je le veux! Je veux que tu sois mon portugais, fais-moi ma maison! Oh my god! La maison de malade! On a les petits transats. Oh là là! Le petit garage. Elles sont où les féfés? Y'a pas de Ferrari, Germain! Y'a que des petites Renault Kangoo, c'est nul! Oh, wow, les lumières! La petite bibliothèque. On a les petites lianes au niveau de l'escalier. Oh, voilà! Ça, c'est de la déco. Mais comment il a fait? C'est possible? Bah ouais, je pense que c'est possible. Oh my god. N'hésitez pas d'ailleurs, @senor9ygtb sur Instagram. Envoyez-moi vos créations de maison. On va faire un petit jeu sur Twitter. C'est la même chose. Senor9ygtb. Faites-moi pester un maximum de screenshots. Et je verrai un petit peu les créations que vous êtes capable de faire en créatif. Nice. Ok. Énorme création. Sincèrement, un gros GG au créateur. Pour le coup, je pense qu'il a passé énormément d'heures sur cette création, à moins que ce soit un préfabriqué. Là pour le coup, je me fais complètement ce béboule, mais je pense pas que ça c'est un préfabriqué. Les trois piscines, putain, c'est impressionnant. J'espère en tout cas, mes petites truites, que vous avez kiffé cette vidéo. Et c'est le cas, bah, comme d'habitude, je compte sur vous pour bombarder cette barre de pouces bleus. C'était une vidéo assez spéciale, comme vous l'avez vu, sur le mode créatif. J'étais pas prêt, j'ai découvert ça avec vous. Et clairement, la dernière construction est complètement folle. J'espère en voir d'aussi folle sur mes réseaux sociaux. Moi, je vais vous laisser sur ça. Je rappelle la chaîne de FFM en description. N'oubliez pas le petit code créateur Senor9, surtout pour le prochain pass de combat. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.